À se faire une petite review, du coup les gars on est sur un 500€ Nitro qui est tombé de mémoire hier ou avant-hier, 150€. À la table je connais Uva Americana, du coup qui est un Bitby, qui est un reg donc anglais plutôt, 250. Et je connais pas les deux autres, donc a priori des récréatifs. On va regarder un peu ce qui s'est passé. Je vais pas vous spoil le gagnant, ni le nombre de mains. Allez on regarde. Du coup roi 9 suité, on a un min raise, c'est tout à fait standard. À ces profondeurs là ici je m'attends As Dame, il est censé push. Ouais, on n'a pas trop de toute façon en général en nitro, on va pas avoir de stratégie de flat en small blind, ou en tout cas pas avec ces mains là. Ici à sa place je préfère push. Je pense qu'il est censé push, ouais. Et 3 bêtes. Alors, c'est sûr que si vous mettez dans un solver, il y aura une strat de 3 bêtes, mais elle va être extrêmement dure à. Enfin. Ça va être très dur à équilibrer, et d'une manière générale, tout le monde s'adapte. Tous les règles vont avoir tendance à avoir qu'une strat de 3 bêtes chauve ou de fold ici, et très peu de flat. Du coup, quand ça a 3 bêtes ici, clairement, à la place du bouton, je vais fold une tonne. Tout simplement, parce que ça va trop souvent être orienté value, quoi. Et du coup, vraiment, je pense qu'il s'en rend bien compte, et qu'ici, son roi 9 suité, bah, il va le fold tous les jours, quoi. Ok, main suivante, 3-4, c'est un fold. Pas de soucis. Roi 6, 13 deep. Je pense qu'il a le roi de min raise. Et il a le roi de push. L'impé doit pas être non plus affreux. Avec ce genre de combo, faut juste pas fold, quoi. Min raise, c'est de sa mère très bien. Et il fold. Je pense qu'à sa place, c'était 5. Le fold ici, c'est vraiment trop neat. Donc je call. Clairement, je pense qu'ici c'est un call. Vraiment neat hein, pour le coup. Après, faut bien se rendre compte qu'on est sur un 500 000. Certainement, enfin c'est possible qu'il l'ait joué avant, qu'il se rende déjà compte qu'il a pas beaucoup de min raise. Ouais, mais quand même, ça m'a l'air vraiment, vraiment neat de fold cet T5 ici. Ça m'a l'air très neat. Non, je pense qu'on a clairement un call. Hein. Ok. Roi Nes suité ici, c'est un push. Il min raise. Je pense que je préfère push. C'est sûr que min raise sera pas l'erreur du siècle. Je suis en train de me dire certainement que sur un. En fait, sur un 500k en plus, sur un x 10 000, on aura plus de FE à chauve, donc c'est cool. Mais le truc, c'est que quand min raise, bah, il monte quand même plus de force. Et en face, ça va pas repush la range qu'ils sont censés repush normalement. Et il va avoir plus souvent un flop, quoi. En plus, il a un reg en small blind. Du coup, ça veut dire que lui, il va pas s'amuser à flat, quoi. Concrètement, soit il va chauve, soit il va fold. Mais le problème de min-raise ici, c'est que quand il va min-raise et que, imaginons, il va Americana push, tu fais quoi ici, croix 9 suité? Bah, min-raise fold cette main-là, 8 deep, quoi. C'est chaud, quoi. En gros, min-raise fold, ça va être vraiment horrible, mais min-raise call va pas être ouf non plus, quoi. Du coup, pour tous ces arguments-là, je pense que je préfère chauve ici, croix 9 suité. Ok, c'est un fold. Et ici, du coup, à la place de Gregos, ça doit être un push avec As-8 off. Il a just call, ça se comprend, hein. Sur un x10k, t'as pas envie de repush. La pression fait qu'on va pas repush ce genre de main qu'on est censé repush normalement, bah, parce qu'il y a la pression, tout simplement. Ok. Derrière, il check. Pas de soucis. Le c-bet m'a l'air bon. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à mettre aussi cher? Ça me choque pas. De c-bet mipo ici, ça m'a l'air bien. Plutôt bien avec sa range de boutons. Et il fold, pas de soucis. Ok. Valide de suite, ici on a un fold. 4 et 9 suité. S'il a l'info que c'est un récréatif, encore une fois, je connais pas ce joueur, donc je sais pas si c'est un reg ou un récréatif. Je pense qu'à sa place, je tente de limper. Parce que ça va pas iso assez, et encore moins sur un x10k. Du coup, à sa place, je pense que je limpe ici. Ouais, il fold. Bon, fold, c'est pas non plus une erreur. Celui qui a un petit peu d'info, qui sache qu'en face, ça iso un petit peu, et ça devient très bien. Ok. Main suivant, 3 valets suité, clairement un push. En fait, on est 7 deep. Si min-raise, c'est pour min-raise call, mais on n'est pas très content de min-raise call. Je pense que min-raise est clairement pas une erreur. Mais push m'a l'air quand même beaucoup mieux, quoi. Il a fait quoi? 3x, par contre, 3x. 3x, ça m'a quand même l'air pas fou. Faut mieux min-raise là, c'est clair et net. En fait, quand tu veux 3x ici, bah tu as 3x que des bonnes mains et bah tu vas avoir plus de FE en face que ce que tu voudrais, quoi. Avec cette main là, t'as juste un hit value, donc 2x c'est très bien. Du coup, à la place de Monsieur Kassar, ça doit être PLS avec Roi-Dame ici face à 3x de boutons.
Je pense qu'on est sur un x2 tous les jours, je chauffe, hein, à sa place, 3 dames sans problème. Mais là, sur un x10k open 3x, il a toujours une grosse main, quoi. Là, roi valet suité sur ses 3x, c'est clairement limite son bottom de range. Enfin, c'est son bottom de range de 3x, je pense. Ouais, je pense que c'est PLS là pour monsieur Cassard. Il a fait quoi? Il a just call. Ah ouais, par contre, ça. C'est chaud de just call ici, parce que imaginez bouton chauve là. Tu fais quoi avec ton roi dame? Enfin, bon, je l'ai dit de toute manière, d'une manière générale, en small blind, on va pas avoir de strat de just call. Ça va plutôt être des repush. En plus, là, il se retrouve avec un pot de size bet au flop. Enfin, je veux dire, si en face, ça push tous ses bluffs, il va se retrouver dans la merde tout le temps. Quoi. Ok. Et du coup, la suite, ça doit push, j'imagine. Ok. Bah, à sa place, c'est énorme comme spot de push. En règle générale, en small blind, il va repush toutes ses mains fortes. Quand il just call, il aura une main moyenne, quoi. Genre une main qu'il a pas envie de shove. Mais qu'en même temps, il a pas envie de fold. Mais sur un repush, il va tous les jours fold, quoi. Après, le truc, c'est qu'il push 7,5. Du coup, il va pas avoir une FE monstrueuse. Mais il suffit qu'il en fasse fold un des deux. Et c'est juste hyper rentable de push son as suite, quoi. Donc à sa place, je fais vraiment pareil. Ça me l'a vraiment good. Et là, du coup, bah. C'est PLS. C'est clairement PLS pour les deux. Roi valet suité, bah, je pense qu'il a plus le droit de fold. Il a call, ouais. Grosse PLS, ok. Et roi dame off. Asplade, il peut plus fold, quoi. Ok, il est un peu d'ICM, on va dire. Dans le sens où le deuxième prend un peu plus que le premier. Mais je pense que Asplade, là, faut call. Hein. Il a call, ok. Bon. J'aurais préféré qu'il repush quand même, mais Asplade, fallait call de toute manière. Ok. Flop As 5 valet. Magnifique pour lui. Ok. Ok, et il gagne, donc on perd Grégos. Non, on perd pas Grégos, il a 2 blindes. 2 blindes et 16 blindes. Bon, bah il est bien parti, il perd de 9, ça va être un easy push. Ça a du fold, je pense. Ok, valet 5, c'est un fold. Remarquez, j'aime bien le push. Hein. J'aime bien le push parce que ça va tellement overfold en face. Ouais, ça va tellement overfold qu'en fait, push, j'aime bien, vraiment bien de push valet 5 suité ici. Je sais pas, non. Je pense même qu'en théorie ça va être vraiment close. Non, c'est clairement pas un push 4 deep comme ça au bouton avec deux joueurs. Mais ça a tellement overfold que moi j'aime bien son push en fait. Bon là il est bien tombé sur les mains donc ça va tout le temps fold. Mais imaginez qu'ils aient des mains un peu moins fortes, genre je sais pas, quand big blind on a un 10 et 8 off ou des choses comme ça. Est-ce qu'il va vraiment call? Alors qu'il devrait en vrai. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Je pense pas, je pense que ça va overfold massivement. Et du coup bah push c'est encore mieux quoi. J'aime beaucoup en fait son push. Du coup, ça a du fold. Bah, alors là, c'est magnifique pour lui. Il est en train de les terminer. Ok. Oh, c'est quoi cette main? Il se retrouve avec As-Roi, une blinde. Ok, bah ça a du push. Repush et call, j'imagine. Ça a l'air assez facile. Et c'est Dame Valet qui gagne tout. Et qui revient bien du coup. C'est pareil. Contre Fish. Sur un x 10 000, je pense que limpé, c'est pas dégueu. On va moins souvent se prendre un mur sur un call en fait. Et ils vont pas s'amuser à iso chauve. Bah concrètement valet 5 ce sera un très bon candidat à iso chauve en bluff. Est-ce qu'il va vraiment le faire avec 9 et 4 suité? Je pense pas. Du coup j'imagine qu'il la push, c'est un règle, pas de problème. Ok. Je pense que limpé ça se valait aussi. Valet 10 ça va être un push. Valet 2 suité, je pense que je fold. Je connais pas hein, peut-être que c'est un règle. Si c'est un règle je call c'est sûr. Parce que Nash call tout simplement. Nash call jusqu'à combien que je check? Nash call jusqu'à 5.6. Donc contre un reg je call, c'est sûr et certain. Ah, maintenant contre un fish. Après c'est une grosse déviation hein, s'il call jusqu'à 4 points. Ouais non, non c'est pas une énorme déviation non plus. C'est vraiment close là. Nash call tous les jours, je pense que sur un x2 je call tous les jours. Mais sur un x 10 000, est-ce que ça va vraiment push la bonne range en face? Ça va être hyper tight, mais c'est trop dur de se rendre compte de à quel point il faut dévier. Yes, je suis d'accord, Sir Frieza Valley 5 suité, ouais, c'était un bon push au bouton. Je pense que ça va être pas loin d'être un push GTO, ouais, il y a carrément des bons arguments pour push encore plus. Je pense que c'est vraiment close, mais je pense que je fold vraiment, vu qu'on est sur un x10k, et il a call, waouh. C'est sûr que c'est pas, enfin, c'est trop dur, on n'aura jamais assez de samples pour se rendre compte de à quel point ils vont être neat sur les x10k. Mais ouais, je pense que j'aurais fold, moi, à sa place. Ok, ça tient. À suite, c'est un clear push. Ça va fold en face, j'imagine. As valet, ça va push et il va call paire de 2. Ok. Ok. 80%. Ha.
Je sais le nombre de mains. Retenez juste la 80% de chance de gagner 500 000 euros. Et non. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est la dernière main. Donc il a bust. Waouh. Bon, on aurait vu des dingueries quand même. Hein. Au tout début, là, quand ils étaient en 3-way avec l'open 3x, des choses comme ça, les flats en small blind. On aura vu des dingueries dans ce spin. Et du coup, c'est Monsieur Cassard qui le gagne, alors que lui avait 16 blindes à un moment, 2 blindes, il y avait. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire.